Eh bien salut tout le monde, c'est Sandra, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Funcraft. Enfin sur Funcraft, il n'y aura pas vraiment de gameplay. Donc si vous voulez juste écouter ma vidéo en arrière-plan, je vous le conseille. Aujourd'hui on va parler de la communauté UHC. Voilà, je fais une vidéo sur l'UHC. Attends Sandra, t'as dit quoi là? Non, plus sérieusement, voilà, j'ai envie de parler de l'UHC. Donc voilà, si vous voulez vraiment garder la vidéo en arrière-plan, parce qu'il n'y aura pas de gameplay, je vais rester dans le spawn à parler. Voilà, je suis vraiment désolé, mais là il est un peu 8h du matin. On a un peu 122 connectés sur Funcraft, il n'y a pas vraiment personne qui joue. Donc ça c'est chaud de vous fournir un petit gameplay. Donc voilà, on va parler de la communauté UHC, je vais essayer de faire la vidéo le plus rapidement possible, que ce soit la plus courte possible pour vous. Mais là j'ai envie de parler un peu de l'influence de l'UHC en ce moment, parce qu'il y a vraiment un gros engouement au niveau de cette communauté, au niveau des youtubeurs qu'il y a. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Vanoblo qui a sorti une vidéo, voilà, un peu sur les solutions un peu des youtubeurs, et il disait que la communauté UHC c'est vraiment celle pour les youtubeurs qui souhaiteraient faire des vues, etc. C'est en partie vrai parce que cette communauté là fait beaucoup de vues en ce moment sur YouTube avec Gep, Lib et tout ça. Vous avez juste à voir les vues qu'ils font, mais je suis pas en partie d'accord avec lui parce que il parle pas d'une communauté qui est assez présente. C'est la communauté PVP faction. Vous avez juste à regarder trois youtubeurs, Fuse, hein, qui est le, pour moi, qui est le plus grand youtubeur français qui fait encore que du Minecraft. Parce qu'avant il y avait Fury Jumper et Agent GB, mais Agent GB ne fait plus trop ses vues. Et Fury Jumper, je crois qu'il est parti sur Fortnite. Voilà, Fuse fait minimum 200 000 vues par vidéo, voire 300 000 ou 400 000, ça dépend de la vidéo. Ensuite il y a Flows qui fait minimum, on va dire 40 000 à 50 000 vidéos, enfin 40 000 à 50 000 vues par vidéo. Et ensuite il y a Mirolame qui fait à peu près, allez, 20 000 à 30 000 vues par vidéo. Ensuite il y a Warren, mais Warren il fait surtout ses vues grâce à Palladium. Et ça c'est un peu mon stade en fait sur Funcraft. Je suis en train de galérer à refaire mes vues parce que j'ai fait une pause de 6 mois, voilà, quand j'avais 13 000 abonnés. Au moment où je suis passé à mes 13 000 abonnés, j'ai fait une pause de 6 mois, voilà, ça a beaucoup impacté ma chaîne. Et ensuite quelques mois après, je décide de totalement couper Palladium et de m'installer sur Funcraft. Voilà, la communauté Palladium et Funcraft c'est pas du tout la même, et j'ai perdu vraiment beaucoup de monde. Et en ce moment je suis en train de regarder vraiment beaucoup de vidéos au niveau de Gep, Lib ou même d'autres youtubeurs qui font des UHC pour simplement m'intéresser à cette communauté. Voilà, il y a pas longtemps j'ai tweeté, voilà, suivez-moi sur Twitter, c'est très important les gars, parler juste après, mais suivez-moi sur Twitter ou alors rejoignez-moi sur mon Discord communautaire qui sera en description. En fait les deux seront en description. Et j'ai dit tout simplement, voilà, que si quelqu'un connaissait un youtubeur, enfin des youtubeurs, ou juste des personnes qui jouent beaucoup en UHC, voilà, ce serait tout simplement possible de me MP, voilà, pour me faire découvrir un peu cet univers. Ah, parce que j'ai fait ce tweet, j'ai essayé de faire une candidature à Irisium pour avoir le grade youtubeur sur ce serveur. Et le problème sur Irisium, c'est qu'en fait là maintenant il faut attendre qu'un host, enfin un host c'est une personne qui a un certain grade, qui crée tout simplement une partie à lui, voilà, qui fait les paramètres et tout ça, et il attend que des gens rejoignent. Alors qu'avant on pouvait lancer comme ça, voilà, comme je l'avais dit. Et ça c'est un peu le problème parce que du moment où il n'y a plus de hosts qui sont présents sur le serveur, et bah Irisium ne vit plus en fait, parce que tout le monde attend que des hosts lancent des parties intéressantes et tout ça. Et du coup si j'ai le grade youtubeur dessus, voilà, je ferai par exemple sur un petit tweet en mode allez les gars, je suis sur Irisium, je lance des parties et tout ça, venez me rejoindre, ou sur mon Discord communautaire aussi, je ferai un everyone ou un @ir, et je disais ah c'est bon, je fais un host sur Irisium, venez me rejoindre. Ouais, je fais cette vidéo là, voilà, pour vous dire qu'il y aura peut-être des vidéos UHC, voilà, je suis pas sûr encore, mais faudra que je trouve vraiment le serveur, faudra que Irisium peut-être accepte ma demande. Mais vu que Pactify met 20 000 ans à sortir, voilà, autant se consacrer à une autre communauté, voilà, en attendant peut-être Pactify, ou peut-être juste rester en UHC, peut-être, voilà, ça serait vraiment pas mal, enfin, je vais voir. Ouais, c'était tout pour cette vidéo, ça vous a plu, c'est pas vous abonner à ma chaîne, ouais, ça ferait extrêmement plaisir, j'ai juste des 15 000 abonnés avant la fin de l'année, je pense qu'on est vraiment capable. Laissez un commentaire, voilà, pour dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Suivez-moi sur Twitter et sur Discord, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, et c'est très important. Et puis voilà, c'était tout pour moi, allez, ciao, bye les gens.